Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir ensemble comment entretenir et ou nettoyer un intérieur cuir Alcantara. Aujourd'hui, on va travailler donc sur une voiture qui est une Audi A3 8V de 2013. La voiture a 45 000 km, donc on est sur une intérieur qui est quand même relativement propre. Je vais vous présenter maintenant donc les outils qu'on va utiliser aujourd'hui, donc un aspirateur, un nettoyant pour cuir, un nettoyant à plastique, un multi-purpose, un tout petit peu de silicone, une brosse à poils doux et plusieurs microfibres. Je vous laisse découvrir donc le véhicule du jour. Je vous disais précédemment, c'est une Audi A3 8V, donc modèle 1 litre 4 TFSI 150, boîte S-Tronic 7 2013, hein, qui a 45 000 km, modèle Ambition. Donc celle-ci a l'option intérieur cuir Alcantara. C'est sur quoi on va travailler aujourd'hui. Et l'extérieur, comme vous pouvez le voir, on est donc sur du blanc ibis. Cette voiture, c'est une voiture donc de mon stock. Je suis donc vendeur de voitures, hein. À tous ceux qui me demandaient là des commentaires si j'étais un professionnel ou non, et bien écoutez, je suis bien un professionnel. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'automobile et je suis donc négociant auto, spécialiste en voitures européennes. Là, le modèle que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est une voiture qui est disponible à la vente. Tout a été fait au niveau mécanique et carrosserie et on finit simplement aujourd'hui ensemble donc les derniers détails de l'intérieur. Voilà, donc le modèle, il est plutôt bien équipé. Il a donc les jantes en 17, les feux avant au xénon avec les LED de jour. Et allez, on vous laisse passer sur l'intérieur maintenant. Alors, cuir Alcantara, donc c'est parfait, c'est donc notre sujet du jour. On va apprendre ensemble donc comment raviver, rénover votre cuir, entretenir et nettoyer donc vos surfaces qui sont en Alcantara. C'est assez intéressant là quand on a des intérieurs comme ça qui sont bimatières, ça fait un aspect esthétique qui est très joli. Et également pour votre confort, ça n'est pas glissant comme du cuir, l'Alcantara, et c'est plus joli que du tissu. Voilà, je vous fais voir rapidement donc les équipements du véhicule, hein, boîte S-Tronic. L'Audi Dynamic Drive Select, siège conducteur électrique, hein, les palettes au volant, Bluetooth, radar de recul, système start and stop, les sièges à décrochement donc pour les genoux, commando volant à gauche à droite, régulateur de vitesse, Bluetooth, etc. C'est une voiture, hein, qui est à la vente, je vous le rappelle. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter dans la barre des commentaires. Allez, on va passer maintenant, suite à cette présentation, au vif du sujet qui est le travail du cuir et d'Alcantara. Pensez à vous abonner, le pouce bleu pour le référencement et un petit commentaire. C'est parti, bonne vidéo, merci.
un grand merci à vous pour ceux qui sont toujours là. Donc on continue l'intérieur de cet A3 en s'occupant de la partie de l'alcantara et du cuir. On vient donc mettre un tout petit peu de multisurface nettoyant qu'on vient brosser légèrement. Et après, avec la microfibre bleue, on vient traiter les cuirs. Allez, je vous laisse continuer cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut et le commentaire s'il vous plaît pour le référencement, ça serait super. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working